هي الأثناء في الندوة الصحفية والحديث مع الصحفيين عن خيارته التكتيكية. إذا دون إطالة ننتقل إلى قاعة المحاضرات بملعب نيلسون مونديلا ببراقي. L'équipe nationale ainsi que notre cher ami Salah Bey Aboud. Et plein succès pour la CAN. Monsieur Belmadi, à la lecture de la liste des 26, j'ai eu l'impression de me remémorer un film Opération Commando, où quelqu'un qui a déjà réussi avec une équipe, plusieurs années plus tard, bat le rappel de ses troupes parce qu'il les connaît, il sait pour chacun quelle est la mission, quel est le poste qu'il peut lui attribuer. Alors ma question c'est, est-ce que le fait de connaître l'Afrique et d'avoir cet esprit de corps a prévalu par rapport au fait de jouer ou de ne pas jouer en club ? Parce qu'il y a certains joueurs qui jouent moins en club et pourtant qui ont été retenus. Ma deuxième question, si vous le permettez, c'est juste qu'est-ce que vous attendez des deux matchs que vous allez disputer au Togo pendant le stage, sachant qu'un des deux matchs, c'est contre l'équipe A' des locaux. Et je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Premièrement, je voudrais passer mes condoléances à l'équipe d'Al Bayad. Le club et pour les deux frères qui ont laissé la vie Allah yarhamhum Allah yati sabr l'ailatum et on est de tout cœur avec eux, la famille du football algérien, et voilà, triste déjà pour cette nouvelle. Ensuite pour la première question, la liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins deux CAN avec moi et plus avec d'autres sélectionneurs, donc ils ont une certaine expérience, mais ça c'est le cas de toutes les équipes nationales d'Afrique. Et effectivement, on ne change pas d'effectif comme ça à 100%. En fonction des différentes CAN qui arrivent tous les deux ans. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs qui font 4, 5, 6 CAN, même certains. C'est le temps d'une carrière, d'une bonne carrière, on va dire, internationale. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile, et qui vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement, parce qu'on part avec... certains objectifs et certaines ambitions. Donc voilà, c'est un mix entre des joueurs avec une certaine expérience et d'autres qui vont découvrir. Et voilà, je trouve on est tout simplement dans la continuité. Je suis pas dans les grandes surprises. Moi, je suis plus dans une forme de travail qui a été opérée déjà depuis un certain moment. Ça fait un certain moment qu'on est qualifié dans cette Coupe d'Afrique. Dû au travail extraordinaire des joueurs, même si pour certains ça paraît ordinaire chez vous, en tous les cas, dû au travail extraordinaire des joueurs qui, tout de suite après la désillusion de la non-qualification de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ont pu réagir deux mois plus tard, puisque dès le mois de juin, suivant ce deuxième match du Cameroun, on était parti sur deux victoires, dont une à l'extérieur en Tanzanie. Donc on a pu puisque qualification acquise assez tôt, on a pu déjà se projeter sur cette CAN. Et tout ce qui a été fait, toutes les dates FIFA qui ont été élaborées, notamment les matchs entre guillemets amicaux, ont été faits en fonction de cette CAN. Voilà. Pour la deuxième question, c'est les deux matchs, oui, les deux matchs dont vous voulez parler du Togo et du Burundi. Cette préparation, cette idée d'aller se préparer dans un contexte similaire à celui que l'on va trouver en Côte d'Ivoire, c'est une idée déjà sur laquelle on avait décidé depuis longue date.
Au même titre qu'on avait préparé cette Coupe d'Afrique 2019, où on a eu le temps, on a eu la possibilité de s'organiser. Nous étions partis au Qatar dans des conditions qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on allait retrouver en Égypte. Notamment sur ce quart de finale, j'ai souvent répété ce match contre la Côte d'Ivoire à Suez, où la température et l'humidité avaient atteint un certain niveau et qui ressemblait beaucoup à ce qu'on avait pu faire au Qatar. Donc sur la deuxième édition, cette Coupe d'Afrique au Cameroun, vous savez qu'on avait été pris par la période du Covid, donc les voyages, les déplacements, l'organisation de stages dans différents pays n'étaient pas possibles. Et donc ça ne permettait pas d'avoir la préparation optimum. Vous savez qu'au mois de janvier, se préparer au Qatar ou encore pire en Afrique du Nord, par exemple en Algérie, n'étaient pas les conditions qu'on allait retrouver au Cameroun. On a pu cette fois-ci avoir le temps de bien s'organiser, et donc il avait été décidé très tôt d'aller dans un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, où on pouvait retrouver les conditions qu'on allait trouver à Bouaké. Et donc cela influence aussi directement sur les équipes que l'on peut rencontrer. Donc il est difficile, par exemple, de décider d'aller dans un pays tel que le Togo, ou ça aurait pu être le Ghana, Guinée équatoriale, un peu tous les pays un petit peu comme ça proches de la Côte d'Ivoire. On n'a pas trop de voyages à faire, et en même temps de rassembler les équipes que l'on veut absolument jouer. Parce que toutes les équipes ont leur programme, leur planification. Donc il fallait quelque part, d'une certaine manière, se contenter de ce qu'on pouvait trouver déjà sur place, donc à savoir déjà le Togo. Après, cette équipe du Burundi, c'est une équipe qui, jusqu'à la dernière journée de championnat, la dernière journée de ce petit championnat de qualification de Coupe d'Afrique, a joué un match d'une certaine décisif contre le Cameroun, je crois à Douala d'ailleurs, où ils auraient pu, donc ils ont fait une bonne campagne de qualification. Ils se sont fait éliminer sur le dernier match. Et je trouve que c'est une équipe qui va nous rendre des choses difficiles. Mais à la limite, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dessus, c'est d'être dans l'environnement de ce que l'on va trouver en Côte d'Ivoire. Après, les matchs amicaux, les matchs de préparation sont importants, mais c'est pas ce que je recherche en priorité. Et on ne pouvait pas tout avoir. On ne pouvait pas avoir et le pays dans lequel on voulait se préparer et avoir les équipes idéal pour pouvoir se préparer. On va se contenter de ces deux matchs-là, ça me va très bien. Fatah Abada. Bonjour coach, c'est Fatah Abada pour Canal Algérie. Coach, alors j'aurais deux questions, enfin une question et demie. Concernant les joueurs en manque de compétition, je parlerai notamment de Youssef Attal et de Islam Slimani, entre autres, même Ben Nassar qui est revenu récemment. Est-ce que le coach a eu un feedback, un retour? Est-ce que vous êtes rassuré quant à l'état physique de ces joueurs-là? Et comme deuxième question, concernant les blessés, notamment Houssem Aouar, est-ce que vous avez un retour? Est-ce que Houssem se sent bien, se sent apte, et le rapport médical vous le confirme ou pas? Merci. Il faut savoir que vous avez certaines informations et vous vous basez sur certaines informations qu'on vous donne, qui sont publiques. J'en ai d'autres. Il est évident que si ces joueurs sont présents dans cette liste-là, c'est qu'ils sont aptes à participer à cette compétition. Nous n'avons pas un effectif, comme beaucoup, c'est pas une plainte, c'est un constat, nous n'avons pas un effectif, comme beaucoup d'équipes africaines, où toute notre... Par exemple, on a envoyé une liste de 50 joueurs, ou 51, on a ratissé large, comme toutes les équipes. Et si vous regardez, donc c'est tout le réservoir en tous les cas du football algérien, il est très très difficile de trouver un effectif comme ça où tout le monde a un certain temps de jeu. L'idéal voudrait que tout le monde puisse régulièrement jouer, c'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas de toute manière. En tous les cas, allez, on va parler pour moi, je vais pas remonter trop, très loin. Depuis quasiment 6 ans que je suis en sélection, jamais j'ai eu un effectif où tout le monde a un temps de jeu conséquent.
Il y a des périodes, où les joueurs jouent un peu plus, d'autres un peu moins, mais c'est les effectifs qu'on a. Donc le temps de jeu est évidemment important, très important même. Mais voilà, dans l'absolu, c'est pas toujours ce que l'on a. Donc on fait avec. En tout cas, les rapports qu'on a avec nos joueurs sont étroits, sont constants, sont quotidiens. Et évidemment, si ces joueurs sont là, il y a des choses que vous avez qui sont réelles, à savoir participation à des matchs ou pas, ça vous pouvez le vérifier. Et à d'autres choses aussi qui sont voilà, la prise en charge de ces joueurs-là. On fait en sorte, voilà, par exemple, si vous parlez de Youssef et Islem, ils sont là depuis le 20 décembre, donc ça fait une bonne dizaine de jours qu'ils se préparent. Quand beaucoup de joueurs qui vont participer à cette Coupe d'Afrique, je parle de toutes les équipes nationales, sont en vacances, puisqu'à partir du 20, une majorité de joueurs étaient déjà au repos, à part ceux qui jouent durant le Boxing Day. Donc c'est une majorité des joueurs africains au repos. Nous, on a repris assez tôt. Ils avaient déjà aussi des programmes où on était régulièrement en contact avec eux. On a des bons signaux. On a doublé les séances pratiquement tous les jours. On a des joueurs qui répondent bien aux charges de travail qu'on a pu envoyer. Et voilà, ça, c'est des choses positives. Voilà. Après, vous m'avez parlé d'Oussem Aouar, il est rétabli. Effectivement, on a le lien direct avec le joueur, et on a aussi les rapports médicaux. On est en étroite relation avec les clubs, notamment le Milan C, ça c'est pour Ismaïl Bennacer, j'ai passé le truc, et l'AS Roma. Donc pour Isma, il a encore joué hier 70 minutes, il a marqué, il a joué avant 70 minutes, il a marqué. Donc s'il est capable de jouer des matchs de Serie A, je pense qu'il est capable de jouer contre l'Angola, contre la Mauritanie, contre le Burkina Faso. On verra combien de temps, mais je pense qu'il est capable de le faire. Monsieur Tarbi. Donc, salam alaikum. Non. C'est moi qui donne la parole. Bonne nuit. Bonjour, coach. Donc, coach, vos expériences lors des deux phases finales de la CAN en Égypte et au Cameroun, comment elles peuvent vous servir pour la prochaine CAN, peut-être en identifiant les clés de la réussite lors de la CAN de l'Égypte et les raisons de l'échec lors de la CAN du Cameroun. Et puis, si vous permettez, une deuxième question toute simple. Quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour la CAN du Côte d'Ivoire? Merci. Bon, j'ai déjà expliqué les ambitions. Quand on démarre une compétition, ça ne changera jamais, ça. C'est toujours pour aller au plus loin, pour aller vaincre, pour aller obtenir le résultat optimum. Ça ne changera pas. Après, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça va être une lutte acharnée. Évidemment que les deux compétitions que j'ai pu coacher, plus celles que j'ai pu jouer, sont un avantage. Pour moi, bien sûr qu'il y a eu des analyses de fait. Je garderai aussi les raisons ici maintenant, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Il ne s'agirait pas de refaire une analyse de ces deux compétitions. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'on en a tiré des expériences. Un des éléments pour moi fondamental, c'est la préparation. La préparation avant compétition, pour moi, c'est pas la clé, mais c'est indispensable, essentiel de se préparer dans les meilleures conditions. Donc, chose qu'on est en train de faire, parce que j'estime que la préparation a démarré le 20. Le 26, on a eu pas mal de joueurs qui nous ont rejoints. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec la totalité de l'effectif pour partir demain au Togo. Donc, la préparation est pour moi déjà un élément essentiel dans le bon déroulement de la compétition. Très bien. Donc, salam alaikum.
السلام عليكم كوتش، سي محمد أمين عيساوي قناة الجزائر أنوان. سؤال تاعي فيما يخص المباراتين الوديتين اللي راح يخوضهم المنتخب الوطني خلال طرابلس طوغو، هل هما المباراتين اللي راح يوضحوا بنسبة مئوية كبيرة التشكيلة اللي راح يدخل بها الكوتش بالماضي لأول مباراة في كان كوت ديفوار؟ توفيق. أكيد هذه مباراتين لازم نحطوا التشكيلة اللي باغي يبداو المنافسة في كوت ديفوار. مي اون فوا يا دو ماتش، يا دو ماتش، يا دي شوز كي يا اوسي notamment pour ce premier match, il y a une différence de préparation par rapport à des joueurs qui étaient qui reviennent justement. On a cité certains joueurs qui reviennent de blessure, d'autres qui arrivent qu'aujourd'hui. Le match va arriver tôt, va arriver le 5. Donc en tout cas dans ce match du Togo, il va y avoir évidemment on va mettre en place certaines choses. Et plus on se rapproche de la compétition, plus on va aller évidemment dans la préparation du match de l'Angola. Donc surtout sur ce deuxième match du Burundi, nous allons nous approcher de ce que va être ce match de l'Angola. Après, je ne peux pas donner plus de précision que ça. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum, coach. Maka Ardouane Boukero, min qarat Shuruq News. شفنا القائمة غياب بعض الأسماء التي تألقت في أنديتهم على غرار وقدمت مستويات جيدة هذا الموسم وعندها خبرة في المحافل الإفريقية على غرار فوزي غلام. أيضا في سؤال ثاني، في 2019 بالماضي راح للكان وكان واثق جدا وقال بني أنا رايح باش نجيب لكم الكاس، هل بالماضي عنده ثقة مرة ثانية باش يجيبنا الكاس تاع كوت ديفوار؟ الغياب اللي راك تهضر عليهم اول شيء، وقلت لنا الاسم فوزي غلام، عندك اسم واحد اخرين؟ لا فوزي غلام برك يلعب غدني الميكرو. قلت عطيتني اسم، اسكو راه يلعب فوزي غلام باغ اكزومبل؟ لا يلعب في حطاي سبور تركي، راه موجود في حطاي سبور. اسكو يلعب في الدوري التركي؟ يلعب. لا عنده اصابه صافي شهر ومور ما راهش يلعب. لا من قبل قدم هو واحد يلعب شهر ونص قدام. مام حسام عوار عنده اصابات ولكن هو كاع نجيبهم، كاع اللي عندهم اصابات نجيبهم. Déjà c'est des postes différents, c'est des situations différentes. Oussem il y a 10 jours il a démarré un match de d'Europa League, il est sorti à la mi-temps. Et puis voilà, mais voilà, quand on donne des noms de joueurs par exemple, faut savoir ce qu'on dit, il faut pas aller dans comment dire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des fois certaines personnes qui sortent des noms comme ça et après tout le monde surfe fait dessus pendant un mois et demi. Ils savent même pas leur situation, s'il est l'herbe ou la main la bouche. C'est juste pour voilà créer un truc et mettre. Donc j'ai déjà répondu à la question. On démarre une compétition, c'est pour aller au bout. Voilà, qu'il Marana Chouhadna, qui est une des autres équipes qui ont aussi des qualités. Ça va être la bagarre. Bonjour coach, Abdraoub Soussoual Haya TV. Ma première question à propos de la liste convoquée, pourquoi vous avez préféré de convoquer 26 joueurs au lieu de 27 joueurs et laisser une place vide? En deuxième question, ça concerne Yasser Laroussi, qui n'a pas trop joué avec l'équipe Sheffield United durant les deux mois derniers. Il a joué peut-être 58 minutes juste lors des deux mois derniers. Qu'est-ce qui vous a motivé à le convoquer à l'équipe nationale, sachant qu'il n'a pas trop joué? Merci. Parce que peut-être qu'on a justement la possibilité, avec cette liste, d'élargir à 27. Donc, il y a des joueurs comme ça, je vous ai dit, jamais en équipe nationale, il y a eu dans l'histoire de l'équipe nationale, en tout cas récente, où tout l'effectif joue régulièrement. Ça n'a jamais existé. Il y a des joueurs qui jouent moins. L'idéal voudrait qu'ils jouent un peu plus régulièrement.
Et après, il faut comparer au poste. C'est pas... maintenant, c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir une liste comme ça élargie de 27 joueurs me permet de mettre des joueurs comme ça dans cette liste. Peut-être que si on n'était que 23, peut-être qu'ils ne figuraient pas. Ensuite, voilà, me dire pourquoi j'avais droit à 26 et pourquoi je n'en ai pas pris 27. Si j'aurais pu en prendre 25, j'aurais pu en prendre 24. Ce n'était pas moins essentiel pour moi d'aller remplir la case 27 joueurs. Voilà, j'ai rajouté des joueurs comme ça sur une situation où il y a une réflexion profonde avec une certaine anticipation des choses qui peuvent arriver. Mais prime abord, moi je suis pas pour un effectif comme ça pléthorique de joueurs, parce que déjà juste sur le management, sur la gestion de ces joueurs-là durant toute une compétition, quand plus on a de monde, plus ça devient compliqué. Pour plusieurs raisons. Voilà, Yasser Laroussi figure dans ce groupe-là sans avoir beaucoup joué. C'est une décision, je vous ai dit. Après, est-ce qu'on a d'autres joueurs là? Par exemple, il m'a cité un joueur qui joue au même poste. Là, pour le coup, on peut comparer. Est-ce que vous en avez d'autres? Bon, lui, il est blessé, au Zéroulem. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, on n'a pas d'autres. Donc voilà. Bonjour, coach. Coach, première question concernant le 9 joueurs à Rahila Boul Lacan pour la première fois. Coach, est-ce que je me manque d'expérience, surtout compétition qui est ma Coupe d'Afrique? D'autre côté, finalement, le retour de Mboulhi ou Blayli, est-ce que déjà parce qu'il est satisfait Bush d'un championnat? Deuxième question, coach, concernant le changement de l'hôtel de l'équipe nationale fait Bouaké, est-ce que Majib comme l'hôtel ou la Jet autre d'ici? Pour la première question, je pense que j'ai répondu. Il y a une partie de joueurs qui ont déjà l'expérience des différentes cannes, pas seulement les deux dernières. D'autres avant, s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas seulement pour leur expérience, c'est qu'ils affichent quand même un certain niveau de jeu et qu'on estime qu'ils sont capables de remplir un certain rôle durant cette compétition. Après, pour ce qui est de la logistique, on a une fédération qui s'est occupée de ça. Qui a estimé que, en accord hein, avec moi-même, que voilà, c'était préférable de se retrouver dans des conditions de logement où on pouvait être plutôt entre nous. Bon, c'est vrai qu'il y a eu apparemment beaucoup de travaux de fait dans cet établissement. Voilà, l'idée d'être dans de bonnes conditions pour séjourner à Bouaké, je pense, était essentielle. Plutôt que de se retrouver dans un endroit où il y avait toutes les équipes qui étaient collées les unes aux autres. J'ai répondu. Salam alaykoum, coach. Saïd Amarouch, journal Al-Ahdaf. Coach, le Qaïma Shahed Tawajud Zinedine Bled ou Oussama Ben Bot, Tuna Etihad Lansima, Kalabin Mahalien, Lira Hilabo Owen Munafasa. رسمية وكأس أمم إفريقيا في مسيرته. كيف شاف الكوتش بالماضي المؤهلات تاعها؟ نديجا عندهم خبرة في الأفريقيا. ربحوا كأس كاف, كوب دو لا كاف. ربحوا السوبر كوب. Je pense que c'est juste retour des choses. Mahaline, pas Mahaline, ça a jamais été un problème pour moi. C'est juste un constat des niveaux de joueurs. J'estime qu'ils ont fait des bonnes campagnes de qualification en Afrique. Donc, j'estime que leur convocation est logique. Salam. Salam alaikum coach, Abdelrahman Nasri, Radio Jil FM. Coach, vous avez parlé par rapport, pour rebondir à la question de mon collègue, je vous la poserai différemment.
par rapport à la préparation et des 9 joueurs qui vont jouer leur première CAN avec la sélection nationale, est-ce que vous comptez aussi beaucoup sur vos cadres et les plus anciens, entre guillemets, pour justement encadrer et préparer ces nouveaux venus, justement, par rapport à ce grand rendez-vous africain? Deuxième question, juste pour rebondir au poste de gardien de but, vous avez toujours souligné les performances, la progression de Mandrea aussi, qui joue au sixième match avec l'équipe nationale. Avec le retour de Raïssoua Mboulhi, est-ce que on va s'attendre à relancer la concurrence justement dans ce poste de gardien de but, justement avec l'éclosion aussi de Oussama Belmout? Merci. Je pense que pour ce poste de gardien de but, les choses doivent être clarifiées d'emblée, et que les choses doivent être d'avoir une certaine forme de hiérarchie bien établie, mais le BDR. Chose qui est faite. Ce qui n'empêche pas que justement le Mounefes a binetum lazem tkoun. C'est-à-dire qu'il faut regrouper deux choses pour les gardiens de but, malgré que je ne suis pas un spécialiste du poste, mais mettre le premier dans les meilleures conditions, à savoir qu'il sente qu'il est conforté dans ce rôle de premier gardien. Il faut lui donner beaucoup de confiance par rapport à ça, le tranquilliser par rapport à ça, mais en même temps qu'il sache qu'il y a quand même autour de lui de la qualité et une certaine forme de concurrence. Donc les deux doivent être établis et on doit, sur lesquels on doit se pencher avec justesse. Donc ça, c'est déjà fait. Deuxièmement, il y a toujours un début à tout déjà. Donc on parle que des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a un début à tout. Il faut qu'ils découvrent cette compétition, comme l'ont pu la découvrir en 2019 Hicham Boudawi, Ismail Benasser. Je pense pas que Youssef Bleyli avait déjà joué une CAN. Je pense pas que Bardad Bounedjah avait déjà joué une CAN. Je pense pas. Je crois qu'en 2017 il avait pas beaucoup joué. Je sais plus. En fait, il était pas. Donc je pense pas qu'il avait joué une CAN. Youssef Attal, je pense pas qu'il avait joué une CAN. Bref, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué de CAN, donc on est rien d'exceptionnel, c'est toujours comme ça. Et puis justement, ça donne avoir de l'expérience, c'est une bonne chose, pas de problème là-dessus, mais aussi le 109, découvrir une compétition et vouloir briller dans cette compétition, c'est aussi important. Donc voilà, aujourd'hui il y a Amoura qui va découvrir cette CAN, il y a Farès Chaibi qui va découvrir cette CAN, voilà, il y a des joueurs comme ça, Aït Nouri qui va découvrir cette chaîne. On est tous d'accord pour dire qu'il mérite de la découvrir, non? Voilà. Hani Chrayt. Sbar Khair, coach. اليوم هو آخر يوم من سنة 2023. وفي هذه السنة المنتخب الوطني لم يحقق أي انهزام. هذه مؤشرات وإحصائيات، هل تشوفوها إيجابية بالنسبة لكم حتى تعطي لكم أكثر ثقة خلال كأس أمم إفريقيا للذهاب بعيدا في المنافسة؟ وفي شق ثاني، ما هي المنتخبات الإفريقية التي يرشحها جمال بلماضي لنيل كأس أمم إفريقيا؟ شكرا. Deuxième question, c'est sur qui est favori. Bon, les favoris, c'est toujours souvent les mêmes. Hein, souvent les mêmes. On les connaît. L'Égypte, le Sénégal, le Maroc, Tunisie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pour moi, gros favori. Joue à domicile, ils ont une grosse équipe cette année. Toutes ces équipes-là sont prétendantes au titre. Je ne pense pas quelqu'un qui peut avoir avec certitude assurer qui va gagner de ces équipes-là. Nous, on part avec une position d'équipe qui s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde dernière, qui est sortie au premier tour. Vous me l'avez tellement répété, donc je peux vous le dire, qui est sortie au premier tour de la dernière CAN. Donc nous, on n'est pas favori. Hein. De facto, on n'est pas favori puisque nous n'avons pas obtenu tous ces résultats. Ensuite, dès qu'on rentre dans le tournoi, par exemple une équipe comme le Burkina Faso, c'est une équipe qui est régulièrement demi-finale, par exemple. Voilà. Il y a des équipes comme ça
très difficile. Il y a des équipes comme le Mali, des équipes comme la Guinée, Conakry, des équipes qui peuvent être des grosses surprises parce qu'il y a de la qualité dans ces équipes-là. On va arriver tranquillement dans ce tournoi, mais avec doucement mais sûrement beaucoup d'ambition. On travaille pour ça depuis un moment. On a certaines certitudes. Vous avez parlé d'année 2023 sans défaite. Comme en 2019, comme en 2020, comme en 2021. Notre année où on a chuté, c'est en 2022. Et en 2023, pareil. Donc, ça veut dire certaines choses. Ça veut dire que cette équipe-là, elle a réagi au moment où on était au plus mal. Cette équipe-là affiche une forme de constance aussi. Mais bon, un tournoi, c'est différent. Il faut beaucoup d'éléments favorables pour pouvoir performer. Mais je vous dis, je répète, la préparation pour moi avant la compétition est essentielle. Et voilà, ça me laisse. Ce qu'on est en train de faire en ce moment me laisse espérer, Inch'Allah, de bonnes choses. Jamal Ferrani. السلام عليكم. جمال فراني صحفي الحوار. شفنا الكوتش كنت حاضر انت في الديربي العاصمي رفقة اللاعبين. هل كان الديربي حاسم من اجل لبعض اللاعبين من اجل التواجد في القائمة، خاصة القائمة خرجت مباشرة بعد الديربي؟ وكذلك كيفاش عشتوا الاجواء اللي كانت في الملعب من المنصة الشرفية؟ الاجواء كانت ما شاء الله بدون شك. كنا عارفين لي سبورتير dire le khedmtum et avec brio, bon, à part quelques débordements quand même qui peuvent être dangereux un petit peu, mais dans l'ensemble c'est un vrai beau spectacle dans les tribunes. Ils ont vraiment la chance, ces deux équipes là d'avoir des supporters de cette trempe là et met leur équipe à ce point là ensuite voilà, je pense que c'était je peux me permettre de dire deux mots sur la performance des deux équipes. Je trouve que ça a été peut-être un jeu un peu crispé. Les deux équipes étaient un petit peu voilà, ne se lâchaient pas trop, ne prenaient pas trop de risques pour pouvoir gagner ce match-là, faire basculer la rencontre. Donc je pense que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, si je peux me permettre ainsi. السلام عليكم كوتش، معك صحفي موقع شيا بريس. سؤالي الأول كوتش، قائمة المنتخب لكاني كوت ديفوار لم تشهد تغييرا كبيرا مقارنة بكاني الكاميرون، حوالي 70% من التشكيلة السابقة. هل تعتقد أنه يمكننا تحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا بنفس اللاعبين؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني كوتش، الشعب الجزائري في الشارع وفي الوسط الرياضي يعني راه متفائل تحقيق كأس أمم إفريقيا وراوي يشجع فيك وقال يعني كلنا جمال بالماضي، واش تقدر تقول لنا؟ السلام عليكم. السلام. كما قلنا لا بروميير كيسيون سي سي سور سو كون بارتيسيبي لا كون افريكا دو كامون. اه با بون. نو على كرال خويا. Il y a plusieurs sur les Qaïma, il y a plusieurs nouveaux joueurs. Je ne vais pas tous les reciter, mais il faut prendre le truc dans son ensemble. Hein? Il y a 14 qui sont pas là. Ah. Déjà, le bataille, les canaux, elle fait nous. Nino Wahed. Hein? 10 nouveaux. 14 qui étaient en 2022, qui ne sont pas aujourd'hui. Ok, on ne va pas tous les citer. En tout cas, l'effectif a changé. Et la Brito, vous savez, c'est ça qui est bien. On voit juste dans une salle comme ça la divergence. Il y a ceux qui disent il y a trop de nouveaux. Il y en a qui disent il n'y a pas assez de nouveaux. Hein, Choufo, c'est beau. Tu fais un mot bardakoum déjà. Non, mais j'ai répondu en plus 3-4 fois à cette question-là. Il y a des joueurs qui font des Coupes d'Afrique, ils en font 4-5. S'ils en font 4-5, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans toutes les équipes nationales. صح خويا تسقسيني لا كيسيون تاعك وما تسمعنيش هاي كمل خويا بيان
السلام عليكم كوتش جودر صهيب انتر نيوز صحيح كما قالوا الزملاء ما خسرنا حتى ماتش في سنة 2023 ولكن فيه نقطتين سلبيتين لاحظناهم في هذه النقطة. النقطة الأولى تلقينا بزاف أهداف في الكرة الثابتة، والنقطة الثانية شفنا بعض الأخطاء التحكيمية كثيرة عانى منها المنتخب الوطني الجزائري، وشفنا نرفزة كبيرة من اللاعبين كيف يحضر الكوتش جمال بالماضي هذه الناحية، خاصة اللي راح تأثر سلبا على اللاعبين في أرضية الميدان. شكرا. Bon, ça c'est ce que j'imagine qu'il y a eu des choses analysées, donc des choses, certaines choses positives. Donc déjà, ce que vous êtes en train de dire sur la nervosité des joueurs. Sur les ballons. Coup de pied arrêté. Combien de buts on aura encaissé sur les coups de pied arrêtés ? C'est bien d'arriver avec des statistiques. C'est comme lui, il vient de dire pas assez de joueurs. Quand vous arrivez, venez avec des chiffres, venez avec des précisions. Non, je pense pas qu'on en a eu tant que ça, mais le peu de buts qu'on a encaissé sur cette année, oui, il y en a eu certains. C'est de toute manière un exercice sur lequel il faut être performant, offensivement comme défensivement, puisque plus de la moitié des buts sont marqués sur coup de pied arrêté de nos jours. Donc c'est un élément à prendre aussi sérieusement que l'aspect tactique, l'aspect physique, l'aspect psychologique. Voilà. Les coups de pied arrêtés, effectivement, sont un élément essentiel. On voit par exemple 0-0 contre le Sénégal, on marque sur coup de pied arrêté. On encaisse, je parle du match amical du septembre, on encaisse ce but-là contre l'Égypte sur coup de pied arrêté, comme quoi ça fait la différence, effectivement, je suis d'accord. On n'a pas encaissé tant que ça, mais il faut être encore plus clair, plus fort dans ce domaine-là, mais dans les deux surfaces de réparation. Ensuite, l'arbitrage, j'ai tellement parlé, j'ai tellement élevé la voix, même l'impression d'être seul parfois. J'avais même l'impression que mes propres compatriotes ne voyaient pas comme moi ou ne voulaient pas voir comme moi. J'ai plus rien à dire là-dessus. Zimsol. Bonjour coach. Je suis un peu caché. Juste là. Zimsol, poteau là. Deux questions. La première concerne un petit comparatif par rapport à 2019 et 2021. Comment vous jaugez le groupe d'aujourd'hui par rapport à celui de 2019 et 2021 qui ont fait les deux dernières CAN? La deuxième question concerne le mois de mars. On a vu que la FIFA souhaite mettre en place un tournoi avec quatre équipes, avec la promesse aux fédérations de gagner beaucoup d'argent. On aimerait avoir l'avis du technicien parce que les adversaires sont déjà choisis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans vos plans? Est-ce que ça vous... Ça arrange d'avoir ces équipes-là pour la suite des préparatifs de la Coupe du Monde, et en sachant que l'Algérie, c'est entre guillemets la meilleure équipe sur le papier. Bah déjà, la différence entre les deux équipes, ces joueurs complètement neufs. J'ai envie de dire, parce que même si on dit que Ismaïl Benacer découvrait la CAN, qu'on dit qu'un Attal découvrait la CAN, qu'un Blaili, qu'un Boudaoui découvrait la CAN, pour le coup, ils avaient quand même déjà une certaine expérience de l'Afrique sans jouer régulièrement, mais ils étaient déjà présents dans le continent. Là, par exemple, nos joueurs, malgré qu'ils ont quelques sélections, comme les Fares Chaibi, comme les Aït Nouri, comme. Ces joueurs-là vont être à Moura, par exemple, vraiment, pour le coup, quelque chose de tout à fait nouveau. Et moi, je vois en ça même une qualité, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience, c'est bien, mais la fraîcheur dans l'approche des compétitions, l'envie de se dépasser, l'envie de se montrer, l'envie d'exister, quoi de tel qu'une compétition intercontinentale. Cette CAN va être évidemment très 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 relevée, vraiment très relevée.
au même titre que celle qui avait été en Égypte en 2019. Et je vois dans ces deux groupes-là voilà, l'envie de bien faire, presque cet esprit, même sur certains joueurs, n'ayons pas peur des mots, un esprit presque revanchard. Parce que on n'oublie pas ce qui s'est passé à la dernière CAN. Il y a des joueurs, par exemple, comme Nabil Ben Taleb, on n'a pas eu la possibilité de travailler ensemble auparavant, qui affiche aujourd'hui un niveau de performance, en tout cas en club, sur lequel j'espère qu'on pourra bénéficier, qui peut être très important, au même titre, par exemple, qu'Adlet Guidura avait eu son importance en 2019. Bref, je vois aussi beaucoup de similitudes dans ces deux groupes-là. Et le plus important, c'est ce qu'on avait en 2019 et ce qu'on a eu la plupart du temps, pour dire la vérité, c'est vraiment de pouvoir faire cause commune et avoir un objectif tous ensemble. Là encore plus parce qu'on a c'est un groupe qui est un peu élargi. Au lieu de 23, on a 26. Donc la clé sera aussi de travailler à l'unisson, d'aller tous vers un même objectif au profit du pays, au profit de l'équipe nationale et tous tirer dans le même sens. Voilà. En 2019, c'est ce qu'on a eu et c'est vers ça qu'on tend et ça va être pour moi crucial de bien vivre ensemble et de tous tendre vers le même objectif. Après, pour la date du mois de mars, je vais être très honnête. On savait pas ce qu'allait être cette date du mois de mars. On savait pas si ça allait être des qualifications Coupe du Monde pour la qualification Coupe d'Afrique 2025. On savait pas exactement ce que ça. Il y avait un point d'interrogation. Ils ont rempli cette case là par rapport à ce tournage. Je sais pas si c'est officiel. Je sais pas si c'est d'ores et déjà établi. En tous les cas, je n'y arrivais pas réfléchi. Je n'ai qu'un objectif, c'est la Coupe d'Afrique. On aura tout le loisir de voir ce qui va se passer au mois de mars. Mais moi, c'est d'abord, je porte mon attention, mon focus, que sur la Coupe d'Afrique. Yazid Jumaa. Salam alaikum. Yazid Jumaa de la chaîne Bilet. En fait, coach, on va affronter l'Angola, premier match de la CAN. Sachant que cette sélection se prépare est malade. Donc ils vont jouer le Congo justement en amical. On n'a pas joué l'Angola depuis 2010, sachant qu'il y a beaucoup de matchs nuls entre les deux sélections, avec deux victoires je pense pour l'Algérie et une seule pour l'Angola. Est-ce que c'est toujours important de connaître des détails justement contre notre premier adversaire, sachant que le premier match est très important pour la suite de la CAN. Et aussi on va affronter le Burkina avec Hubert Villut, qui connaît très très bien le championnat algérien et connaît déjà la mentalité du joueur algérien, sachant qu'il a fait déjà la JSK, l'USMA et ainsi que l'Entente de City. Merci. Bon, il connaît très bien le championnat algérien, les joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. La plupart de nos joueurs jouent à l'étranger. Le match du Cap-Vert amical était en vue du match de l'Angola. On a eu la chance de tomber, j'ai envie de dire eu la chance, puisque ça ressemble aussi, le Mozambique. Donc en préparation du match de l'Angola, je ne peux pas faire mieux que de jouer ces deux équipes-là, Cap-Vert, Mozambique, qui sont un football similaire. C'est des anciennes colonies portugaises, avaient influencé par le même football. Donc en termes de préparation, je vous ai dit que ça fait un moment, puisqu'on était qualifié depuis un certain moment, ça faisait un moment qu'on était focus sur cette CAN et que tout ce que l'on pouvait, tout ce qui nous était le temps qui nous était donné lors des dates FIFA pour pouvoir préparer cette CAN, on l'a fait. Jouer le Sénégal, c'est très bien. C'est jouer le champion d'Afrique, mais pour moi le Burkina Faso, peut-être un petit Sénégal, au même titre que le Mali, au même titre que la Guinée-Conakry, pour moi c'est des équipes qui leur manque peut-être un mané ou un truc, mais c'est des grosses équipes avec des joueurs qui jouent dans des championnats, qui sont titulaires dans leurs équipes.
Je parle du Burkina, je parle du Mali, je parle de la Guinée-Conakry. Donc jouer le Sénégal, c'était aussi en prévision de ça. Donc voilà, l'Angola, c'est notre premier objectif. Démarrer la compétition, on sait tous que démarrer la compétition par une victoire est essentiel. On a observé les 8 derniers matchs de l'Angola, à savoir leurs 6 matchs de qualification Coupe d'Afrique, leurs 2 matchs de qualification Coupe du Monde du mois dernier. C'est une équipe qui encaisse peu de buts, qui n'en marque pas beaucoup non plus, mais qui encaisse peu de buts. Donc ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire, à savoir une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Déjà, de par le fait qu'elle s'est qualifiée, dans toutes les équipes qui se sont qualifiées dans cette phase finale sont des équipes de qualité. Mais c'est sûr que cette équipe d'Angola aura, ça sera tout sauf un match, tout ça fera un match facile. On a bien analysé l'adversaire, je vous l'ai dit, leurs huit derniers matchs, et adversaire âpre. Et de toute manière, ce premier match est toujours, voilà, de par le stress, de par la pression de l'événement, de par le, voilà, avant de se lâcher, tu vois. Enfin, rappelez-vous du match du Kenya en 2019, c'était un match qui s'est fini sur quoi, 2-0, mais voilà, un penalty de Youssef, sur Youssef Attal, marqué par Bardad, but de Riyad. Ça s'est fait sur cette première mi-temps, mais en même temps, on a vu que c'était difficile, très difficile. On a vu notre premier match contre le Sierra Leone. Donc, et c'est pas que nous, hein. C'est pas que nous. Toutes les équipes ont des difficultés, notamment sur cette première rencontre. Il va falloir être prêt. On le saura, Inch'Allah. Chafia Sadi. السلام عليكم كوتش. شفيع سادي قناة رؤيا فيزيون تي في. كوتش عندي سؤالين. السؤال الأول حول اللاعب حسام عوار. اللاعب مع فريقه الحالي يطرح العديد أو الكثير من علامات الاستفهام، لأنه اللاعب حابين يسمحوا فيه من خلال هذا الميركاتو الشتوي. كذلك اللاعب تعرض لإصابة ثانية بعد مباراة طنزانيا. سؤالي كوتش راح يكون حول جاهزية اللاعب نفسيا وبدنيا. هل اللاعب جاهز لخوض فعاليات كان كوديفوار بعد ما شفناه في القائمة الرسمية؟ السؤال الثاني راح يكون حول ثنائية اللاعبين رامي بن سبعيني وعيسى ماندي في قلب الدفاع. لاحظنا مؤخرا أنك حولت منصب اللاعب رامي بن سبعيني من لاحظنا مؤخرا أنك حولت منصب اللاعب لكي يلعب كمدافع أوسط. هل هذا يعود بسبب عدم توفر مدافع يعوض اللاعب جمال بالعمري الغائب عن القائمة الرسمية، أو أنه قرار من الكوتش يفضل يلعب بلاعب يلعب بالقدم اليمنى ولاعب يلعب بالقدم اليسرى، خاصة مع ثراء التشكيلة الآن في الظهير الأيسر بانضمام كل من آيت نوري العروسي وتواجد أيضا أحمد توبة؟ قبل ما نختم فقط كوتش، جيسبر في شهر فيفري ترجع أنت واللاعبين ويديكم ماشي فارغين. شكرا. Je vais répondre en français pour que ce soit plus fluide. Pour Oussem, j'ai répondu. Donc après le match de la Tanzanie, il a joué aussi en club. Je dis une mi-temps en Europa League, et il a fait une bonne première mi-temps. Il est à l'origine du but, je crois qu'il met l'avant-dernière passe. Et c'est vrai qu'il ne joue pas Tanzanie, non, ce n'est pas Tanzanie. Pour les derniers matchs qu'il avait joué avec l'équipe nationale, c'est la Somalie. Mozambique, dernier match. Mozambique, il n'a pas joué. Non, notre dernier match, c'est Mozambique. Avant, c'est la Somalie. En tous les cas, il est rétabli, il va mieux, il est apte à s'entraîner à 100%. Et effectivement, le fait qu'il ait naqs munafasa, bien sûr, pas que lui, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Il y a du travail, on a encore un peu le temps, on a 15 jours devant nous avant ce premier match contre l'Angola. Donc il y a encore un peu de temps de mettre tout le monde au même niveau. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a toutes les assurances. On a l'assurance du joueur. On a l'assurance de l'AS Roma qui nous a envoyé les rapports médicaux.
Donc tout va bien pour l'instant, il lui manque du temps, on va travailler là-dessus. Ensuite, pour le poste de Rami, j'aime l'idée d'avoir, c'est pas toujours possible, hein, on a gagné une Coupe d'Afrique avec deux droitiers dans l'axe central, mais j'aime l'idée de pouvoir, et c'est pas la raison principale pour laquelle j'ai recentré Rami, mais j'aime cette idée-là de pouvoir ressortir le ballon avec un droitier et un gaucher. Je trouve que c'est plus facile pour une sortie plus fluide, avec certains angles de passe qui sont différents que quand on a deux droitiers. Généralement, quand on a un droitier à gauche, la plupart de ces prises de balles sont de la première touche. La plupart du temps, c'est un contrôle vers l'intérieur. Ça limite un petit peu les options. Tandis que quand on a un gaucher, il s'ouvre beaucoup plus d'angles et on peut avoir plus d'options dans le camp adverse. Mais c'est surtout, déjà, faut pas oublier que c'est un joueur qui, c'est vrai que depuis pas mal de temps, joue au poste de latéral gauche dans ses différents clubs, mais qui a été formé comme défenseur central. Je trouve que sur tous les matchs qu'on a pu jouer jusqu'à présent, il a enchaîné, je ne sais plus combien, mais peut-être 6 matchs dans l'axe central. Il a rarement été pris à défaut, il a toutes les qualités pour jouer à ce poste-là. Et ça nous permet aussi d'installer un joueur comme Reyna Etnouri, qui peut être aussi un cadre dans les années à venir de cette équipe nationale, l'installer. Donc voilà, c'est un compromis de tout, c'est une réflexion globale sur cette défense-là. Elle a joué quasiment tous les derniers matchs quand c'était possible, à part quand il y avait des blessures, des choses comme ça. Mais voilà, j'aurais aimé qu'elle joue encore un peu plus, parce que qu'elle prenne vraiment ses automatismes, qu'elle s'aguerrisse ensemble. On va encore gagner du temps, il y a deux prochains matchs là, et pouvoir encore faire en sorte de voilà, sur les petits détails, sur les petites de placement, de voilà, tous les niveaux d'automatisme d'une défense, faire en sorte qu'elle soit prête pour cette compétition. On les a mis aussi dans des situations difficiles, telles que contre des équipes âpres, telles que le Sénégal, telles que l'Égypte, il n'y était pas à être nourri. J'aurais aimé qu'il soit là, on aurait pu confirmer ce qu'on a pu faire contre le Sénégal. Et bon, j'ai trouvé qu'elle s'en est pas mal sortie. Encore deux, trois questions. السلام عليكم كوتش علي صدام خبر بلاس كوتش سؤالي الأول هل هناك خاصة للتعامل مع مباريات المجموعة الأولى في كأس إفريقيا خصوصا وأن أنا في إفريقيا أصبح لا يوجد منتخب سهل أما سؤالي الثاني وجود لاعبين لديهم خبرة كبيرة على غرار إسلام سليماني سفيان فيغولي رئيس من بولحي عاملا مهما لتحقيق النجاح في البطولة حيث أن هناك من يقول بأن اللاعبين قد كبروا في السن ما تعلق عن ذلك شكرا Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour aborder ce groupe ? Deuxième question par rapport aux joueurs âgés. À la laïbine, il y a un double khibrat qu'elle mena miet marat. On ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Pour la première question, il y a effectivement une analyse globale des trois équipes. Ça fait longtemps qu'on a le groupe et on a les différentes équipes dans les mains. Donc on a évidemment réfléchi sur ces trois équipes-là, analysé ces trois équipes-là. Et bien sûr qu'on a des scénarios en tête, mais en même temps, il faut se focaliser sur cette première rencontre qui est essentielle, on en a parlé, pour démarrer le tournoi et se mettre dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, toute notre réflexion va vers l'Angola. Bonjour. C'est Soufiane Alioun du journal Wasat et le chiffre d'affaires. Donc ma question sera globale concernant l'organisation de cette festivité footballistique. C'est-à-dire, on sait très bien que le jeu en Afrique est un peu basé sur l'aspect physique plus que l'art de football. Est-ce que notre équipe est bien préparée pour pouvoir affronter les éventuelles techniques de jeu avec des pays africains et aussi sur l'aspect mental pour pouvoir aussi... pour qu'elle puisse aboutir à sa mission vu les conditions des infrastructures sportives en Afrique, mais surtout
la préparation physique des joueurs pour pouvoir jouer, c'est-à-dire physiquement, ce qui va exiger de déployer plus d'énergie, plus que de technique, c'est-à-dire on va voir de physique plus que de technique, c'est-à-dire est-ce que notre équipe est bien préparée pour affronter ce genre de jeu, On peut préparer avec, vous savez que les dates FIFA, c'est donc démarre demain. Ça veut dire qu'on n'était pas censé récupérer les joueurs avant. Les clubs étaient dans leur droit de libérer leurs joueurs uniquement demain. Donc, on a préparé avec ce qui nous était alloué. Donc, une partie des joueurs qui n'étaient pas concernés par le Boxing Day ou les matchs entre hier et aujourd'hui, et avant-hier, 29, 30 et 31, ceux-là ont pu nous rejoindre. Il y a eu 2-3 situations un peu difficiles, il y en a toujours à cette période-là. Il y a eu des malades, il y a eu des joueurs qui n'ont pas pu venir alors que j'aurais aimé qu'ils viennent. On a fait un travail personnalisé en fonction des dates d'arrêt de leur championnat, de leur dernier match, pour avoir une préparation justement telle que tu l'as précisé. De la mesure du possible. Les joueurs qui étaient présents ont pu vraiment bien travailler. J'aurais aimé que les 2-3 joueurs qui étaient et malades et avec des situations un peu particulières et blessés qui ressentaient encore certaines douleurs qu'ils avaient ressenties, qu'on ne connaissait pas, que même vous ne savez pas, et que j'ai découvert sur le tas. Voilà. Et un joueur comme ça, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la programmation, mais pour au moins la moitié de l'effectif qui était présente à Sidi Moussa, ils ont pu vraiment faire un travail dans ce sens-là. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui me rassure et c'est ça qui me donne des éléments de satisfaction, de pouvoir travailler ces aspects-là notamment. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de l'importance d'avoir du temps pour préparer la CAN justement, contrairement à ce qui s'est passé la dernière CAN. Là, vous avez eu justement quelques jours ici pour certains joueurs, notamment comme Slimani Attal, il y aura une dizaine de jours au Togo, plus 5 jours plus ou moins avant le premier match. C'est important justement pour récupérer des joueurs qui sont peut-être en mi-saison, qui ont des petits problèmes, ou vous avez parlé aussi de l'importance des automatismes, notamment pour la défense. Et vous avez aussi récemment expliqué qu'en 2019, il a fallu pratiquement le dernier match contre le Mali pour que vraiment vous trouviez bien sur votre équipe. Est-ce que vous pensez que ça va être à peu près ces conditions-là qui vont vous permettre justement de faire une bonne CAN? Oui, c'est pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. On a rarement la possibilité vous savez, quand il y a les dates FIFA, tu as des fois 2 séances pour préparer un match. Les joueurs arrivent le lundi, tu joues un jeudi. Quand ils arrivent le lundi, c'est qu'ils ont joué. Ils ont joué le samedi, le dimanche. Donc déjà le lundi, tu peux pas travailler. Le mardi, t'es plus ou moins dans un retour aux entraînements. Mercredi, tu es déjà dans la veille du match. Donc ça, c'est toutes les sélections qui sont dans cette situation. Donc quand on a des périodes comme celle-là ou comme on a pu avoir en 2019, ce qu'on n'a pas eu en 2021, mais ce qu'on a pu avoir en 2019. Avoir un petit peu de temps comme ça pour bosser, je trouve que c'est pour moi, voilà, c'est un privilège, c'est l'idéal. On a été dans cette situation-là maintenant, on n'a pas eu l'ensemble de l'effectif, chacun a sa situation personnelle, en club notamment. On a pu bénéficier d'un certain nombre de joueurs maintenant déjà, je trouve qu'on est en avance là-dessus, et on va avoir aussi cette dizaine de jours au Togo, où là on a pour le coup... l'ensemble de l'effectif. Donc ça nous fait du 1er au 15, puisque le premier match contre l'Angola est le 15, donc ça nous fait une quinzaine de jours où on peut vraiment travailler dans les conditions que se déroulera la phase finale. Donc je trouve que c'est indispensable, et généralement ça laisse présager, en tout cas là, le football n'est pas une science exacte, mais en tous les cas quand on réunit un maximum de conditions qui permettent de performer telles que celles que l'on vient de citer,
voilà, nous laisse être voir les choses dans le meilleur dans les meilleures dispositions. Madame. Salam alaikum, Amina Amel, Saut l'Ahrab. Je pose une question sur l'état psychique de Youssef Attal après son procès. Amelie. Alhamdulillah. Ou les rumeurs qui sont sorties sur Isma, que Milan a exigé de ne pas jouer le premier rôle. Mais après son retour. Ils ne peuvent pas exiger quoi que ce soit. La date FIFA démarre le 1er. Ils peuvent émettre des souhaits, ils peuvent émettre une réflexion, une analyse. Nous avons été, nous l'objectif c'est jamais de mettre le joueur en porte-à-faux avec son club. On est dans des relations, pour la plupart des clubs, très étroites. Je me suis attaché à ça quand je suis arrivé en équipe nationale, faire en sorte que les clubs ne perçoivent pas l'équipe nationale comme un obstacle à leurs activités avec leurs joueurs. C'est les clubs qui payent les joueurs. Mais ils savent que voilà, il y a des dates FIFA, il y a une réglementation sur lesquelles ils doivent s'aligner. Mais voilà, moi je préfère la discussion, la communication et la bonne entente avec les clubs plutôt que juste appliquer purement et simplement les règles. Donc effectivement, ils auraient voulu qu'ils jouent le 2 en Coupe d'Italie. Au même titre que Villarreal a voulu que Issa Mandji joue le 2 dans la Liga contre Valence. Mais on a refusé parce que nous avons aussi notre match le 5 contre le Togo et on a besoin de rapidement, encore plus pour Ismaïl qui a besoin de retrouver ses coéquipiers dans un milieu de terrain qui a peut-être été un petit peu nouveau pour lui. Donc on a décidé de rapidement les faire venir au plus tôt. Voilà. Une question, s'il vous plaît. En gros, on prend en considération, pour être clair, on prend en considération les avis, les demandes des clubs, sans pour autant que ça impacte sur les intérêts de l'équipe nationale. Assalamu alaikum, Sohfi Mohamed Lamine Jilali, Sohfi Bissabr Press. Laib Rahma Ghir Mutawajid Fil Qaima wa Sahih Anna Yamur Bifatara Saba Ma'ana Dieth. ما السبب الذي أدى إلى تفضيل بالليل وغياب الرحمة عن الكان؟ شكرا. Pourquoi Youssef et pas Saïd, en gros? C'est ça? Bah, c'est parce que c'est mon avis, c'est parce que c'est mon choix. Hussein ou Wassim, en dernier, ok. On termine. السلام عليكم حسين بوشكيل زيرتيوب كوتش الاتحاد البوركيناب اليوم في الفيسبوك عبر الصفحة الرسمية أكد برمجة مباراة ودية مع منتخب إيران وقال في ذات السياق أنه خير إيران لأنه ستيل دو جو تاعو يشبه الجزائر القميص يشبه الجزائر شو رايك هذا تعليقك على التصريح وثاني شيء إذا أمكن شفنا ريغروبمون بالنسبه تربص على هامش تربص تحضيري مدربين الافارقه في سيدي موسى كاف برو شفناك تلاقيت بربح سعدان صور من داخل معسكر من داخل سيدي موسى كاش ما قال لك ولا كاش ما قلت له هذا ما كان السلام الله عليكم لا كاف برو كان في وراسي كاف ا في سيدي موسى جاو ثاني جاو لي ديبلومي تاع الكاف ا ثاني في سيدي موسى لا ما قال لي والو Cheikh Sahden, juste, on peut dire deux mots sur ça. Donc c'est une bonne chose, d'avoir le CAF Pro en Algérie. Hadia, je pense, Djabi, le Beled, ne serait-ce que pour la considération qu'on nous donne de la CAF. Et puis surtout, j'ai envie de dire un mot sur ceux qui ont obtenu leur CAF A. Qui seront donc peut-être les futurs CAF Pro. Donc, CAF Pro, c'est une promotion qu'on choisit et sur laquelle on passe une année de formation avec différents modules, différents instructeurs de qualité. Je pense que c'est essentiel d'avoir comme ça des coachs qui puissent bénéficier, puisque ça fait longtemps que ça avait été laissé de côté, des coachs qui puissent bénéficier d'une vraie formation
avec des vrais instructeurs, un truc vraiment bien organisé. Et parce que ça sera les coachs de demain, pour ceux du CAF Pro, ils sont déjà en poste pour la plupart d'entre eux. Les coachs du CAF A, malheureusement, non, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas en poste. Donc demain, si nous avons des bons entraîneurs dans toutes les divisions, que ce soit dans les catégories de jeunes, que ce soit dans les équipes premières, que ce soit en première division, en deuxième division, toutes les équipes professionnelles, ça ne pourra que en bénéficier. On aura des joueurs mieux, avec un meilleur développement, mieux formés, si c'est pour des catégories de jeunes, par exemple. Et il y aura un meilleur football et tout le monde pourra en bénéficier, l'équipe nationale aussi. Donc voilà, j'espère que les choses sont bien prises en main. Franchement, là pour le coup, remercier la fédération pour ça, parce qu'ils s'attachent à c'est eux qu'on fait en sorte d'avoir le CAF Pro ici et donnent la considération à tous ceux qui ont passé leur CAF A. Comme c'est la dernière, hein, on va faire quelques exceptions. Nazim, Karim et on termine, s'il vous plaît. Mais je trouve que c'est à gauche, à bout. Ils se plaignent là-bas. Ah, ils se plaignent. À gauche, t'es concentré sur l'axe, c'est l'axe de la droite. on va mettre quelqu'un sur la gauche. Salam alaikum. Salam alaikum. S'il vous plaît. J'ai déjà donné la parole. Bonne nature. Tfadl Nazim. Salam alaikum. Tahiya coach ou Salah Bey ou jami' az-zumala' sahafiyin hadirin. Coach, j'avais une question par rapport à l'esprit de 2019. اليوم رانا نلاحظوا انه المنتخب الوطني من الناحيه الهجوميه راه يؤدي في مباريات في مستوى في التنسيق في لا كرياتيفيتي في كل شيء ولكن في بعض الاحيان ديفونسيفمون اون ا دي باساج فيد شفناه مع الموزمبيق مثلا اون ا دي باساج وين اون بري دو فيتيس است كو فو بونسي كو هاد لي 15 جور جوستمون او توغو فون بيرميتر دو ريكري اون فا دير سو بلوك كومباكت كون افي اون 2019 لي اسس تاع المنتخب الوطني باش يكون متين من ناحية دفاعية وفي الوسط وإسكو من ناحية ثانية سؤال ثاني هل الطرابلس نتاع توغو أمام منتخبين ماشي مشاركين في كأس أفريقيا هل فهمتكم علاش لا فقط سؤال تقني هل هو سلاح ذو حدين يعني تلعب ضد فريق اللي ما عنده ما يخسر ما عنده ما يربح إسكو n'y a-t-il pas de crainte de blessure de joueurs si les joueurs adverses mettent trop de pression sur les deux matchs amicaux La crainte, c'est quoi ? La crainte de blessure de nos joueurs si les autres joueurs en face mettent trop de consistance dans leur performance. Pour la première question, je suis d'accord avec vous sur le fait que, notamment contre le Mozambique, c'est vrai que c'était sur un certain temps, on va dire, pas dans la globalité de la première mi-temps, mais sur certains moments, mais suffisamment pour nous mettre en difficulté. On a eu un vrai passage à vide. Je ne sais pas si c'était le bouleversement entre rapidement la sortie de Aïssa Mondi, la sortie de Islam Slimani en même temps, tout ça, c'est rare quand même de trouver au bout de 10-15 minutes de jeu, je ne sais pas, avoir deux joueurs comme ça importants qui sortent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a analysé ça, on est en train de travailler là-dessus, on s'y attelle. Et la réussite d'une compétition, en 2019, on avait été... Meilleure défense de la compétition, meilleure attaque aussi, et que d'abord bien défendre est essentiel. Encaisser peu de buts est essentiel si on veut aller loin. Et encaisser peu de buts, c'est, vous le savez, ce n'est pas le travail uniquement de la ligne défensive, c'est un travail d'ensemble. Vous avez parlé de bloc tout à l'heure, on ne va rien vous apprendre, c'est une réalité. Effectivement, quand on est... difficile à jouer, eh ben on a un maximum de chances d'encaisser peu de situations de but contre nous. Et être difficile à jouer, ça commence déjà devant. Rappelez-vous du travail énorme que faisait Bardet durant la compétition en 2019. À défaut de ne pas avoir marqué beaucoup de buts dans cette compétition, il faisait un travail remarquable, d'ailleurs remarqué par tous les techniciens connaissent le football et qui savent à quel point c'est important d'avoir des joueurs offensifs qui font le travail, notamment de pressing et empêcher les relances faciles.
En tout cas, il sera essentiel d'être une équipe qui est difficile à manœuvrer et sur laquelle on encaisse peu de buts. Ensuite, sur les deux matchs qu'on va avoir, je vous dis que ce soit Togo ou Mozambique, croyez-moi, si ça avait Togo ou Burundi, croyez-moi, si ça avait été d'autres équipes, les matchs sont toujours engagés. Match contre les équipes africaines, c'est toujours des matchs engagés, c'est toujours des équipes qui calculent pas. Nous jouons par exemple aujourd'hui contre les, je peux vous le dire, puisque c'est déjà sorti, Lille SF. On joue contre les U23 aujourd'hui. Un match qui clôture ce stage. Juste avant d'arriver ici, avant de venir ici, l'entraîneur. Par mesure de sécurité, a dit que à un de mes adjoints qu'ils allaient être assez tranquilles, qu'ils allaient pas. Cette phrase-là m'a pas trop plu, donc je vais changer ça quand on va arriver. Il s'agit pas de faire les kamikazes, mais ça les aime telab. On peut pas te entre guillemets te caresser dans le sens du poil ou d'être avec telab et d'arriver dans la compétition, la situation sera évidemment biaisée. On veut des matchs pleins, avec l'agressivité qu'il faut d'un match de football. On ne fait pas du MMA, on fait du football. Donc, que ces équipes-là soient dans la bonne agressivité, le Togo ou le Burundi, c'est ce qu'on demande. Après, il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Mais moi je ne serai pas dans l'idée d'aller préciser qu'il faut faire attention aux blessés ou quoi. Je pense que c'est un truc qui va venir de. Entre le Togo, on a permis à ce que le public vienne parce qu'on joue à domicile et je trouve ça indécent de pas les laisser participer à la rencontre. Et puis nous mettre aussi un peu dans cette ambiance-là avec un public acquis à la cause de l'équipe adverse, c'est une bonne chose. Mais pour le Burundi, il n'y aura pas de public. Donc, voilà, il y aura cette. Si on voit que les choses dérapent un petit peu, on aura possibilité de rattraper le coup. Mais bon, je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Shukran, coach. Salam alaikum, coach. Salam al-hudur al-karam. Kumu shisham. Jagat al-sahifa. أولا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله في كأس إفريقيا هذه القادمة. كنت السؤال ديالي هو النتائج اللي تحققها إن شاء الله في كأس إفريقيا القادمة سواء كانت إيجابية أم سلبية وحنا نتمنىها إيجابية. هل ستؤثر على باقي مشوارك مع المنتخب الوطني خصوصا أن الهدف الأسمى هو التأهل للمونديال؟ question déplacée je trouve regarde. Nous l'objectif c'est de faire. On part avec. Je vous ai dit que même la date du mois de mars, je l'ai pas prévu, je l'ai pas analysé, j'ai pas commencé à en parler parce que je suis complètement concentré sur cette compétition. Ce qui arrivera plus tard, Allah alam. Une question, Karim. Salam alaikum, coach. Karim Belarbi, قناه الجزائر الدوليه 24 نيوز. Coach, سؤالي يتعلق باللاعب محمد امين عموره اللي راه يتالق في الدوري البلجيكي 15 مباراه 13 هدف في الدوري البلجيكي هو ثاني احسن هداف في الدوري البلجيكي ماذا ينتظر المدرب جمال بلماضي من هذا اللاعب خاصه في ظل الفورمه التي يتواجد عليها وانت كمدرب وكلاعب سابق هل ترى انه الوقت المناسب لهذا اللاعب اللي عنده 23 سنه انه يغير الاجواء بعد ما لعب في وفاق سطيف لوغانو والان سان جيلواز في الدوري البلجيكي هل ترى انه الوقت المناسب انه يغير الاجواء على الاقل في الميركاتو الصيفي المقبل C'est bon. Déjà, il faut souligner, comme vous l'avez dit, je confirme ce que vous dites. Un joueur qui est vraiment peu de qualificatifs magnifiques dans l'état d'esprit, dans la mentalité. Ce qui lui arrive, c'est vraiment suite et grâce à son travail, à son sérieux.
Je pense, j'ai souvent dit que les joueurs du championnat algérien devaient s'inspirer d'un joueur comme Islem Slimani, parti du pays, et puis avoir brillé comme ça en Europe, championnat portugais notamment. Et à force de travail, à force de confiance, à force d'effort. Et Amoura est dans cette lignée-là. Et vraiment un garçon comme ça, courageux, travailleur, humble. Rabbi, ouais, il a toutes les qualités, Masha'Allah, Rabbi Hafdo, parce que j'aime l'implication qu'il a dans son travail, dans le sérieux qu'il a dans son travail, et les ambitions. Et donc, en ça, déjà, malgré qu'il est jeune, beaucoup de joueurs devraient s'inspirer de lui. C'est que du sérieux, c'est que du travail. Donc, il ne faut pas se fixer de limites pour un joueur comme lui. Allah alayhi wa sallam, Sharabi l'emmène au plus haut niveau, il le mérite. La CAN peut être encore une vitrine pour pouvoir encore briller et avoir là, encore des possibilités. Il ne faut pas oublier qu'a Ismaïl Benacer, juste avant la CAN 2019 et après la CAN 2019, c'est un joueur qui est différent de par son statut. Il a été élu meilleur joueur de la CAN 2019. Devant Salah, devant Mané, devant Riyad Mahrez. Et il a pu signer au Milan AC. Je ne pense pas que c'est que l'équipe nationale, mais je ne pense pas aussi que c'est que le club d'Empoli. N'oubliez pas que cette année-là, ils sont descendus en Série B. Donc la CAN a été quand même. L'équipe nationale est un propulseur pour pouvoir aller briller, pour pouvoir aller plus haut dans un club de plus haute qualité. Je pense pareil pour tous les joueurs à la Coulé Halin, pour tous les joueurs. Cette CAN va être tellement relevée. Que briller dans cette compétition va être pour eux aussi important pour pouvoir avoir des possibilités et des offres de clubs. Pour revenir sur Amoura, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour lui de bouger, d'aller ailleurs. Je sais, par proximité avec lui, je sais qu'il a déjà des offres concrètes. Je sais que le club a reçu des offres concrètes aussi pour lui. Après, il n'y a pas de vérité. Peut-être il est jeune, il peut encore continuer et accentuer la saison qu'il est en train de faire ou la demi-saison qu'il est en train de faire. Faire en sorte. Aujourd'hui, il y a certains clubs, peut-être qu'avec une demi-saison en plus, cette coupe d'Afrique, il peut avoir peut-être d'autres options à l'été prochain. Donc. Il a des agents pour ça, il a un truc pour ça. Mais en tous les cas, il a ce qu'il mérite. Inch'Allah, on te mène l'aulou Toufir, on te mène l'aulou qu'il aille le plus haut possible. Salam alaikum, coach. إذن كانت هذه ندوة صحفية للنخب الوطني جمال بلم. De crainte de blessure de joueurs si les joueurs adverses mettent trop de pression sur les deux matchs avec Wahab. Wa shukran. La crainte, c'est quoi ? La crainte de blessure de nos joueurs si les autres joueurs en face mettent trop de consistance dans leur performance. Pour la première question, je suis d'accord avec vous sur le fait que, notamment contre le Mozambique, c'est vrai que c'était sur un certain temps, on va dire, pas dans la globalité de la première mi-temps, mais sur certains moments, mais suffisamment pour nous mettre en difficulté. On a eu un vrai passage à vide. Je ne sais pas si c'était le bouleversement entre rapidement la sortie de Aïssa Mondi, la sortie de Islem Slimani en même temps, tout ça, c'est rare quand même au bout de 10-15 minutes de jeu, je ne sais pas, avoir deux joueurs comme ça importants qui sortent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a analysé ça, on est en train de travailler là-dessus, on s'y attelle. Et la réussite d'une compétition, en 2019, on avait été... Meilleure défense de la compétition, meilleure attaque aussi, et que d'abord bien défendre est essentiel. Encaisser peu de buts est essentiel si on veut aller loin. Et encaisser peu de buts, c'est, vous le savez, c'est pas le travail uniquement de la ligne défensive, c'est un travail d'ensemble. Vous avez parlé de bloc tout à l'heure, on va rien vous apprendre, c'est une réalité. Effectivement, quand on est difficile à jouer, eh ben on a un maximum de chances d'encaisser peu de situations de but contre nous.
et être difficile à jouer, ça commence déjà devant. Rappelez-vous du travail énorme que faisait Bardet durant la compétition en 2019. À défaut de ne pas avoir marqué beaucoup de buts dans cette compétition, il faisait un travail remarquable, d'ailleurs remarqué par tous les techniciens qui connaissent le football et qui savent à quel point c'est important d'avoir des joueurs offensifs qui font le travail, notamment de pressing et empêcher les relances faciles. En tout cas, il sera essentiel d'être une équipe qui est difficile à manœuvrer et sur laquelle on encaisse peu de buts. Ensuite, sur les deux matchs qu'on va avoir, je vous dis que ce soit Togo ou Mozambique, croyez-moi, si ça avait été d'autres équipes, les matchs sont toujours engagés. Match contre les équipes africaines, c'est toujours des matchs engagés, c'est toujours des équipes qui calculent pas. Nous jouons par exemple aujourd'hui contre les les SF. On joue contre les U23 aujourd'hui. Un match qui clôture ce stage. Juste avant d'arriver ici, avant de venir ici, l'entraîneur, l'entraîneur de U23, par mesure de sécurité, a dit à un de mes adjoints qu'ils allaient être assez tranquilles. Qu'ils allaient pas, cette phrase-là ne m'a pas trop plu. Donc je vais changer ça quand on va arriver. Il ne s'agit pas de faire les kamikazes, mais ça les aime tel âme. On ne peut pas te entre guillemets, te caresser dans le sens du poil ou d'être avec tel âme et d'arriver dans la compétition. La situation sera évidemment biaisée. On veut des matchs pleins avec l'agressivité qu'il faut d'un match de football. On ne fait pas du MMA, on fait du football. Donc, que ces équipes-là soient dans la bonne agressivité, que le Togo ou le Burundi, c'est ce qu'on demande. Après, il ne faut pas que ça dépasse certaines limites, mais je ne serai pas dans l'idée d'aller préciser qu'il faut faire attention aux blessés ou quoi. Je pense que c'est un truc qui va venir entre le Togo. On a permis à ce que le public vienne parce qu'on joue à domicile et je trouve ça indécent de ne pas les laisser participer à la rencontre. Et puis nous mettre aussi un peu dans cette ambiance-là avec un public acquis à la cause de l'équipe adverse, c'est une bonne chose. Mais pour le Burundi, il n'y aura pas de public. Voilà, il y aura si on voit que les choses dérapent un petit peu, on aura la possibilité de rattraper le coup. Mais bon, je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Shukran, coach. السلام عليكم كوتش السلام الحضور الكرام كمو الشيشام جريدة الصحيفة أولا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله في كأس إفريقيا هذه القادمة كوتش السؤال يلي هو النتائج اللي حتحققها إن شاء الله في كأس إفريقيا القادمة سواء كانت إيجابية أم سلبية وحنا نتمنىها إيجابية هل ستؤثر على باقي مشوارك مع المنتخب الوطني خصوصا أنه الهدف الأسمى هو التأهل للمونديال question déplacée je trouve Nous, l'objectif, c'est de faire. On part avec. Je vous ai dit que la date du mois de mars, je l'ai pas prévu, je l'ai pas analysé, j'ai pas commencé à en parler parce que je suis complètement concentré sur cette compétition. Ce qui arrivera plus tard, Allah va aller. Une question, Karim. Salam alaikum, coach. Karim Belarbi, قناه الجزائر الدوليه 24 نيوز. Coach, سؤالي يتعلق باللاعب محمد امين عموره اللي راه يتالق في الدوري البلجيكي 15 مباراه 13 هدف الدوري البلجيكي هو ثاني احسن هداف في الدوري البلجيكي. ماذا ينتظر المدرب جمال بلماضي من هذا اللاعب خاصه في ظل الفورمه التي يتواجد عليها؟ وانت كمدرب وكلاعب سابق هل ترى انه الوقت المناسب لهذا اللاعب اللي عنده 23 سنه انه يغير الاجواء بعد ما لعب في وفاق سطيف لوغانو والان سان جيلواز في الدوري البلجيكي هل ترى انه الوقت المناسب انه يغير الاجواء على الاقل في الميركاتو الصيفي المقبل
Bon, déjà, il faut souligner, comme vous l'avez dit, je confirme ce que vous dites, un joueur qui est vraiment peu de qualificatifs magnifiques dans l'état d'esprit, dans la mentalité. Ce qui lui arrive, c'est vraiment suite et grâce à son travail, à son sérieux. Je pense, j'ai souvent dit que les joueurs du championnat algérien devaient s'inspirer d'un joueur comme Islem Slimani, parti du pays et puis avoir brillé comme ça en Europe, championnat portugais notamment. Et à force de travail, à force de confiance, à force d'effort. Et Amoura est dans cette lignée-là. Et vraiment un garçon comme ça. Courageux, travailleur, humble, Rabbi, il a toutes les qualités, Masha'Allah, Rabbi Hafdo, parce que j'aime l'implication qu'il a dans son travail, dans le sérieux qu'il a dans son travail, et les ambitions, et donc en ça déjà, malgré qu'il est jeune, beaucoup de joueurs devraient s'inspirer de lui. C'est que du sérieux, c'est que du travail. Donc, il ne faut pas se fixer de limites pour un joueur comme lui. Allah alayhi wa sallam, Charabé l'emmène au plus haut niveau. Il le mérite. La CAN peut être encore une vitrine pour pouvoir encore briller et avoir encore des possibilités. Il ne faut pas oublier qu'un Ismaïl Benacer, juste avant la CAN 2019 et après la CAN 2019, c'est un joueur qui est différent de par son statut. Il a été élu meilleur joueur de la CAN 2019 devant Salah, devant Mané, devant Riyad Mahrez. Et il a pu signer au Milan AC. Je ne pense pas que c'est que l'équipe nationale, mais je ne pense pas aussi que c'est que le club d'Empoli. N'oubliez pas que cette année-là, ils sont descendus en Série B. Donc la CAN a été quand même, l'équipe nationale est un propulseur pour pouvoir aller briller, pour pouvoir aller plus haut dans un club de plus haute qualité. Je pense pareil pour tous les joueurs à la Coulé Halin, pour tous les joueurs, cette CAN va être tellement relevée que briller dans cette compétition va être pour eux aussi, aussi important pour pouvoir avoir des possibilités et des offres de club. Pour revenir sur Amoura, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour lui de bouger, d'aller ailleurs. Je sais, par proximité avec lui, je sais qu'il a déjà des offres concrètes. Je sais que le club a reçu des offres concrètes aussi pour lui. Après, voilà, il n'y a pas de vérité. Peut-être il est jeune, il peut encore continuer et accentuer la saison qu'il est en train de faire ou la demi-saison qu'il est en train de faire. Faire en sorte. Aujourd'hui, il y a certains clubs, peut-être qu'avec une demi-saison en plus, cette coupe d'Afrique, il peut avoir peut-être d'autres options à l'été prochain. Donc, il a des agents pour ça, il a un truc pour ça. Mais en tous les cas, il a ce qu'il mérite. Inch'Allah, on te mène l'eau, Toufir, on te mène l'eau, qu'il aille le plus haut possible. Salam alaikum, coach. إذن كانت هذه الندوة الصحفية للنخب الوطني جمال بالمصر.